この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour jouer à Test Drive Unlimited sur PlayStation 2. Peut-être pas la version la plus aboutie de ce jeu, puisqu'il y a quelques manquements par rapport à la version PC ou Xbox 360 par exemple, mais un jeu qui a plutôt été pas mal taré des loges à l'époque, qui n'a pas taré des loges à l'époque quand il est sorti en 2007, enfin en tout cas il est sorti en 2007 sur PS2. Et c'est plus ou moins la suite des Test Drive, sauf que cette fois-ci on est dans un univers ouvert. Je crois que c'est l'île d'Hawaï hein, que l'on a. Alors voilà les options. Les options du jeu. Alors on peut choisir les unités d'affichage. Déjà on peut se mettre en impérial. Si vous aimez l'impérial, faites-vous plaisir. On va se mettre en métrique. Autosave, on va le débloquer. L'audio, alors je vais peut-être faire attention peut-être au niveau de la musique. La musique est peut-être très belle, c'est pas le problème, mais c'est par rapport au problème de droit, vous vous en doutez. Au niveau du moteur, on va peut-être un peu monter un tout petit peu voilà, à la place pour que ça rentre bien. On va faire back. Au niveau des contrôles, donc on va découvrir un petit peu qu'est-ce qui est intéressant à ce niveau-là. Donc on peut choisir l'émet de la vibration, donc ça c'est coché, donc on va le garder là. La dead zone, le steering sensitivity, alors là du coup, on va laisser par défaut, on va voir ce que ça donne, et la configuration, donc, il y aura pas mal de choses. On peut donc regarder gauche, droite avec R1L, c'est plutôt original. Look around avec le joystick, donc on regarde autour, le volant c'est droite, gauche, oula ça va pas me plaire ça, mais bon pourquoi pas. On peut changer la vue avec R2. On peut m'afficher la map avec Select, Pause avec Start. Quand on veut rentrer dans un événement, c'est avec le triangle, freiner carré, on break, slide, ok. On va faire avec. Donc c'est parti. On va donc. Alors go online, non. Je sais pas pourquoi il dit go online d'ailleurs. Ok. C'est marrant ça le mode online. Oui. Alors attendez, j'ai peut-être dû rater un. Rater un épisode là. Ah oui voilà, donc start game. Voilà, c'est bon, j'allais dire online. C'est quand même étrange. The passengers for flight 6814 to Honolulu are asked to please present themselves for boarding at gate C. Ladies and gentlemen, please have your passports and boarding passes ready for inspection. Ladies and gentlemen, we will be shortly commencing our descent into Honolulu. The temperature on the ground is 77 degrees Fahrenheit with cloudy skies and 55% humidity.
Can I ask you to fasten your seatbelt, please? Alors, après cette introduction, enfin fort bien, j'ai bien aimé la partie avec les deux voitures, c'est assez cool, assez prenant, et plutôt bien fait, même si on se doute bien que ce sera pas les mêmes graphismes une fois arrivé dans le jeu, puisqu'on est sur la version la plus, peut-être la plus basse en termes de possibilités avec la PlayStation 2. Donc, Aloha, donc Aloha ça veut dire bonjour. Bonjour les amis à Oahu, je le prononce super mal, désolé pour les Hawaïens, voilà. Donc les véhicules de prêt ont une large gamme de véhicules qui peut s'utiliser pendant 30 à 60 minutes. Essayez de prendre... voilà, en gros ça vous permet de tester les véhicules un petit peu avant et après pouvoir les acheter si vous avez envie. Donc on va faire next. Donc là par exemple on commence tout de suite donc avec une... Alors c'est bien parce que l'introduction est cool mais on sait pas ce qu'il fout là le mec finalement. Parce que à part se dire je vais aller à Hawaï pour piloter des belles bagnoles et me faire plaisir. Bon, pourquoi pas. Alors, il y a une Ford GT. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que je peux tourner autour? Non, je peux pas. Je vais faire inspecter car. Ok. Allez, donc on a une Ford GT, ma foi, fort belle. On a une Dodge Viper RCT10, donc la version cabriolet. D'ailleurs, première chose sur laquelle je tique un petit peu, je sais pas si c'est juste la vue qui fait ça, mais c'est moi ou les jantes, elles sont pas en 3D. On dirait un bitmap, les jantes. Ouais, c'est un peu bizarre. Bon, après, les modèles sont plutôt jolis. On a une Aston Martin DB9 volante. On a une Mercedes-Benz SLK 55 AMG. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. Et on a la Ford GT. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? L'Aston Martin, c'est pas mal, mais ça a l'air un peu lourd. Ça, on voit les stats à droite. Hein, vous voyez accélération. D'ailleurs, la meilleure, c'est celle-là, hein, si je me réfère à tout. Celle-là, c'est la plus lente. DB9 peut être pas mal. Bon bah écoutez, on va prendre... On va appuyer sur R1, on va inspecter la voiture. Donc là, je peux changer l'angle de caméra. Ça c'est pas mal. Je peux ouvrir les portes avec... voilà, gauche-droite, je peux ouvrir les portes. Ça c'est pas mal. Ça fait penser un petit peu à V-Rally 3, mais je crois qu'il y a d'autres jeux où on pouvait le faire. Je crois que c'était Need for Speed. On peut voir la vue. D'ailleurs, on peut regarder l'intérieur. On va faire un petit zoom. L'intérieur. On se rend compte quand même que les cockpits sont faits entièrement. Et ça, c'est déjà plutôt une bonne nouvelle parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans les jeux Play 2 en tout cas les cockpits intégrés. Hein. Même sur les Need for Speed Underground, on n'avait pas forcément ça. Donc on peut faire back, zoom in. Bah écoutez, on va partir avec la SLK, pourquoi pas. Ouais, avec la SK. La GT40, on prend le modèle le plus. On va prendre le modèle le plus. Le plus, comment dire, le plus lent, mais bon, tant pis. Alors, vous voyez, on peut choisir pour le prendre pour 30 minutes, 60 minutes, et ça nous coûte 1455 crédits. Pour le moment, on a 160 000 crédits. On va faire oui. C'est un G-Rent, mais à la base, j'aurais préféré acheter un véhicule. Et on est à Kapaulu, apparemment. Alors, prenez votre temps pour sélectionner... Enfin, voilà. Donc suivez la route marquée sur le en cyan, donc je sais plus quelle couleur c'est le cyan, désolé. Sur votre GPS pour reach the challenge. Ok. Donc avec Select on a la map, si je me trompe pas. Ok, donc c'est parti. On a un joli effet de glaire un petit peu. Alors glaire, attention pas pour le glaire qu'on a quand on fait. Voilà, un truc bien dégueulasse, vous aurez compris. C'est juste l'effet un petit peu, comment dire, voyez, de lumière là, un peu particulier. Donc là je suis dans le mauvais sens, hein, évidemment, je l'ai compris. Je regarde un petit peu les touches, donc voilà, je peux voir sur les côtés, je peux faire un demi-tour. Si je fais... Alors pour la vue, alors du coup la vue c'était R2, voilà, donc on a une vue un petit peu plus loin. On a... Ouais, non, on est dans un monde ouvert, hein, je l'ai dit. On a une vue encore embarquée et la meilleure vue ever, cette vue intérieure, qui est plutôt pas mal.
Voilà, on va faire ça. Je respecte le code de la route, mais ça va pas durer, hein, évidemment. Je regarde un petit peu les décors. Mais écoutez, c'est plutôt joli pour la Play 2, c'est plutôt pas mal. On va faire du coup démarrer. Vite fait sur les côtés. On va se trancher embarquer. Pour le moment. At the next intersection, turn right. Ok. Let's go. Alors je ne sais pas du tout, je n'ai jamais joué à ce jeu, hein, je précise. Je ne sais pas s'il y a de la police, je sais pas. Donc apparemment il faut appuyer sur triangle, voilà, pour lancer l'événement. On va donc démarrer. Alors je vais te baisser un tout petit peu le son du jeu. Voilà. C'est ici que... Ouais, je sais pas comprendre, désolé, c'est écrit en anglais malheureusement. J'ai pas trouvé le mode pour en mettre en français, c'est dommage. Alors, dans les challenges, vous gagnez des points et des crédits. Ça vous permet donc de déverrouiller des véhicules et des challenges. Et pour acheter des maisons, vous pouvez carrément acheter des maisons, des upgrades pour les voitures. Donc, c'est pas mal, donc il y a un petit peu de tout en un. C'est-à-dire qu'on peut améliorer ses véhicules, en acheter, et en plus on a un côté immobilier. Bon, je sais pas si ça a un intérêt vraiment, à part peut-être avoir des points de départ. Et c'est parti, regardez, les cadrans hein, avec les contours en direct qui s'affichent, ça c'est pas mal. Donc sur la carte, je sais à peu près par où il faut que je passe. Voilà, donc on va passer par là. On a fait un petit drift. Alors j'ai changé de vue, cette vue est très réussie, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour le côté un peu pratique, puis comme je joue à la manette, vous vous rendez compte que c'est assez dégueulasse au niveau du volant, regardez le coup de volant. Allez, promis, je vous laisse un tout petit peu avec cette vue. Et surtout, elle freine super mal la voiture. Donc, voilà, on va suivre un petit peu le chemin. Je vais déjà changer de vue parce que je ne suis point à l'aise. En plus, j'ai pris un petit peu le rebord avec le rebord pour les piétons. Passage piéton. Alors, il y a un énorme saut. Ah non, ça va. Un petit saut. Alors au niveau du maniement, on est quand même assez arcade, enfin, en tout cas peut-être moins qu'un Need for Speed, mais légèrement arcade quand même. On a la voiture qui a assouviré un petit peu leur accélération. Et vous pouvez voir donc le kilométrage en bas à droite, avec 29 608 km avalés pour cette voiture, donc c'est une voiture d'emprunt, hein, donc c'est logique. Et là, je vais prendre un gros vent. Alors qu'on met la marche arrière? Ok, donc c'est un rond. Non, c'est carré. Eh ben... Ah d'accord, donc en fait la... Ok, c'est pas pratique d'ailleurs pour mettre la marche arrière. Bon, j'ai perdu beaucoup de temps, je trouve que j'ai perdu dès le début, c'est pas grave. Il y avait 8 points de passage à faire sur les... J'ai déjà fait 6, même 7 maintenant. Oh là là. Alors comment on fait? Faut rester appuyé. Voilà, si j'appuie sur les deux gâchettes, je peux voir la vue arrière. Donc c'est une super entame que je suis en train de faire là. Je vais être dernier pour commencer, bon c'est pas grave. On va la recommencer. Alors on a des points qui s'accumulent tout à l'heure avec un R, on l'a en haut à gauche. Je sais pas du tout ce que c'est. Donc là évidemment j'ai pas réussi la coupe, donc j'ai perdu. On va voir ce qu'il nous propose. Donc il est temps d'acheter votre propre set de pneus. Donc choisis saison 3, enfin un des 3 dans la liste. Donc du coup... D'accord, donc on a des sortes de garagistes concessionnaires et apparemment, voilà, lui c'est un Ford, donc je ne pourrais pas y aller avec ma Mercedes. On peut aller chez Saturn, qui est ancien. Et d'ailleurs c'est intéressant, ça veut dire qu'on a une Saturn en vente dans le jeu. Saturn a disparu en 2008 hein, à cause du crash et Subprime tout ça. Car for sale. Ah mais du coup je vais pouvoir acheter des trucs. Sortim, Skyroaster, on a quoi? Alfa Romeo GT V6, d'accord. Je sais pas combien de véhicules il y a dans ce jeu, apparemment il y en a quand même pas mal. Jouer chez Saturn, tiens. On va en faire honneur pour une fois, c'est pas tous les jours. Your itinerary is being recalculated. Ok, Keimuki. Ah oui, alors Drive Mode, on a TC... Oh, c'est pas mal. Là je peux régler le Traction Control en Off, On ou 0. Moi je suis un fou, je vais mettre 0. Touche du haut, Windows down, Windows up, je sais pas ce que c'est. Hein. Ah, c'est pour. Attends, je viens de comprendre. Window down. Regardez, on peut baisser et monter les vitres, exceptionnel. Enfin, ça, franchement, si c'est pas énorme, allez, on va les ouvrir. Donc, ça, on a vu.
La touche du bas, c'est pour changer le type de radio. Ok, donc on a tout ça. On mettait du soundtrack, hein. On le fait comme ça. Donc là on revient. Ok, bah écoutez, Vavimon je le garde comme ça, désolé. Alors vous savez, quand je me suis planté, j'ai pas vu de dégâts sur la voiture, je sais pas s'il y a des, s'il y a des dommages visibles. Ah oui, voilà, faut que je mette dessus, je fasse triangle. Il y a des mains chez Saturn, donc oui, c'est ça, c'est le. C'est la marque automobile. Donc là, on rentre, c'est bien, on se fait plaisir. Par contre, du coup. Qu'est-ce qu'il fait afficher? Ok. Chargement en cours. Alors voilà, sélectionner une voiture à acheter. Donc ça ouvre. Chaque vendeur de voiture offre un énorme. Étalage de marques et de makes, je sais pas ce que c'est. gagner des crédits pour créer des nouveaux garages. Le garage de votre rêve, ok. Décidément, on va y arriver. Alors voilà ce que j'ai comme voiture. Donc, bah effectivement, elles sont beaucoup moins rapides d'un coup. On a une Saturn Sky Roadster et on a que ça. Écoutez, on va peut-être tenter. Elle coûte 33 000. Je sais pas si c'est une bonne voiture ou pas, j'en ai aucune idée, mais écoutez, pour le plaisir de pouvoir jouer en Saturn une fois dans ma vie, on va quand même la prendre. Alors, on peut choisir la couleur, ça c'est bien. Donc on va prendre Midnight Blue, bon, en rouge, elle est bien en rouge. Ouais, on va la prendre en rouge, tu vois. Ah, en jaune. Ouais, ça peut être pas mal en jaune. Jaune avec le logo rouge. Bon, alors on va la prendre en jaune. Et j'ai vu qu'on pouvait changer l'intérieur et aussi les roues apparemment. Donc là on est à Palolo. You will need the... ouais, alors vous avez besoin d'un garage pour stocker votre véhicule. Ah ok, donc là il va falloir que je choisisse. Il va falloir que j'aille au point demandé. Alors c'était pas là. Et du coup je vais pouvoir. Je fais un drift, ok. Donc apparemment les points de drift comptent. Et du coup on va prendre la route pour aller jusqu'au point. Alors évidemment le but de ce jeu, c'est comme c'est un monde ouvert, c'est évidemment de, voilà, à part de sortir les voitures, c'est de trouver un, bah, des raccourcis, des fois couper un petit peu. En fait, on pourrait peut-être penser à Forza Horizon d'une certaine manière. Alors après, je m'avance un peu trop en disant ça, mais ça me fait penser à ça en tout cas. On a un joli ciel d'ailleurs qui change. Je sais pas s'il y a un cycle jour-nuit dans le jeu aussi. Potentiellement il y en aura un. Et on va voir s'il met les clignotants automatiquement d'ailleurs sur les voitures. Alors je sais pas, apparemment ils ont fait Hawaï. Bah, ils auraient fait une partie de la carte d'Hawaï, je sais pas si c'est la carte entière, si elle est à l'échelle. Je doute qu'elle soit à l'échelle quand même, même si bon, la PS2 pourrait peut-être le faire, mais ça paraît quand même beaucoup. Donc je sais pas. En plus je passe en mauvais sens, tout va bien. Je ne sais pas s'il y a la police non plus. Vous avez, je découvre le jeu en même temps que peut-être vous. Et du coup on va rentrer. Voilà. Non, vous avez vu, les jantes elles sont en 2D. Elles sont en 2D avec notre texture un peu derrière. Alors, choisir une maison. Souvenez-vous, vous pouvez acheter des maisons beaucoup plus luxueuses et beaucoup plus spacieuses quand vous aurez beaucoup plus d'argent. Ok. Alors, j'ai cette bon, bah, je pense qu'on va l'acheter. De toute façon, au début, on peut pas forcément trop choisir. Ah, voilà. Donc, on a les prix. 100 000, on peut avoir jusqu'à 4 voitures. Là, on a celle-là qui est un peu plus chère, que je pourrais déjà pas acheter. La Mililani Haven of Peace. La Kimo Beach House à 170 000, 4 voitures. Là, on a voilà, plus grande. On a la Wailupi Beach House, on a carrément la piscine. Avec le living room, le garage, 6 voitures. Ensuite, on a la Wailale, je sais pas comment on prononce, Beach Terrace à 405 000 avec 8 voitures. Ah ouais, c'est vraiment une visa luxe. Je pense que le but du jeu, ça va être d'avoir la plus lourde, la plus. Ouais, Black Point House. 1 989 000, 10 voitures. Green Valley, 3 5 millions, 10 voitures aussi. Regardez-moi ça, c'est. Ça donne envie quoi. Ça donne envie. Ben voilà, la dernière, c'est, ça vaut 10 millions. On peut avoir 10 voitures. Bah écoutez,
On va. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. Au début, on va commencer avec la Wapawi Village. Et on va acheter la maison. Your itinerary is being recalculated. Ok, donc il est temps d'y aller, donc on va suivre le GPS pour aller jusqu'à notre maison. C'est parti. On va se mettre en vue embarquée, voir un petit peu ce que vaut la vue de ce roadster Saturn. Your destination is 1 kilometer away. Alors je ne sais pas si les sons moteurs sont les vrais sons. En tout cas, right. est-ce qu'ils se sont amusés à Turn faire les sons right. pour tout, toutes les voitures? J'espère. Enfin, ça serait toujours une bonne nouvelle, hein, vous savez, d'en aller jusqu'au bout. Je ne sais pas si les noms de Hawaï sont les bons. Je pense que oui. Ils ont quand même dû faire un truc qui s'est déjà. Ah voilà, on est arrivé chez nous. Tu lui dis. Ah, je peux rentrer directement avec Triangle. Bon, je vais pas m'embêter. La voiture se gare automatiquement. C'est génial. Regardez-moi ce modèle. Et donc on a. Un véhicule sur les quatre possibles à stocker dans ce garage, dans cette villa. Ok, maintenant que vous êtes installé, votre maison vous permet d'avoir donc un garage. Vous pouvez stocker vos voitures. Vous pouvez recevoir des messages. Ok, donc on peut voir aussi nos statistiques. D'accord, bon, on va regarder les statistiques, voir à quoi ça ressemble. Player level rookie, on a joué 7 minutes, master point 917, ok, donc c'est les points de master apparemment, les points que l'on cumule. Bon, on n'a jamais rien gagné pour l'instant, parce qu'évidemment on s'est un peu loupé. Les challenges, voilà tous les challenges, apparemment qu'on aura dans le jeu, il y en a un paquet. Voilà tout ça. Ah, il y en a une bonne plénitude. Le garage est... Ça permettra donc de sélectionner une voiture. Et on va voir dans le garage d'ailleurs, quand on prend une voiture, comment ça se passe. Donc on peut la sélectionner. Là, elle est sélectionnée, ok. Voilà, et on va faire drive out. Ça nous permettra normalement de sortir avec la voiture. Ok. Your itinerary is being recalculated. Ah là là, ce jeu de consumériste. Bref. Donc là, on va sortir. Bon, je vais rechanger la vue. Ah voilà, maintenant j'appuie sur Select. J'ai donc la carte. Bah, j'ai une petite carte, donc ça c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la carte? On peut mettre des filtres, on peut zoomer avec L1 R1. Ok. Donc ça, d'ailleurs, ça me permettra de voir si la carte est grande ou pas. On va regarder un petit peu. Bon, ça m'a l'air. Ah, quand même! Ah, d'accord! Ok! Oh, je n'attendais pas à ça. Alors, effectivement, ils ont fait Hawaï entièrement. Tout va bien. Bah, écoutez, c'est bien. C'est bien, c'est très bien tout ça. On va faire un petit zoom. Qu'est-ce qu'il y a ici? Est-ce que c'est une ville? Non, on dirait qu'il y a des champs. Par contre, ils sont marqués en rouge. D'accord, on a les dénivelés. Ouais, donc il y a quand même pas mal. Il y a un terrain de jeu qui est quand même assez vaste. Je comprends les gens qui disaient à l'époque c'est quand même un jeu pas mal. Alors, en tout cas, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. C'est plutôt cool. Alors, sur le GPS, on nous demande d'aller ici, apparemment. Je ne sais pas pourquoi spécialement, mais bon, apparemment, il y a un truc à faire ici. Quelle location on va faire avec site? On va s'y rendre. Your itinerary is being recalculated. Ah oui, j'ai un point violet, un point bleu. Je sais pas trop. J'ai tellement l'habitude, c'est un peu particulier en fait. J'oublie de freiner avec carré. Ah donc on a une course là-bas, donc on va aller la faire. Your destination is 500 meters away. Et du coup, là, on va pouvoir lancer. Ça fait presque penser au son du téléphone dans South Park. Alors, on peut choisir le niveau de difficulté. C'est pas mal. Easy, normal et difficile. On est à 15 000 de... Ah oui, quand même, ça vaut le coup quand même de tenter en difficile. Bon, on va se mettre en normal. C'est de voir le jeu de manière classique, ce qu'il vaut. Il y a un peu de pop-up, hein, on s'en rend compte. Regardez quand on voit au fond. Bah écoutez, on va faire démarrer. C'est un niveau rookie.
Je pense que j'aurai du mal parce que j'ai vraiment pas l'habitude de tourner avec les joysticks, vous le savez. Donc on va faire avec. On est 4. D'ailleurs, c'est bon à savoir. 4 sur la piste à chaque fois. Et on aura 8 checkpoints à faire. Ça permet de découvrir un petit peu les voitures qu'on aura contre nous. Donc on a notre collègue qui a la même voiture que nous d'ailleurs. Ouais, non mais... En fait, il faut appuyer deux fois. Je viens de comprendre comment on faisait marche arrière. Il faut appuyer une fois pour mettre en neutre et après une deuxième fois pour changer de vitesse. Alors apparemment, je faisais une bêtise, mais j'avais lu que dans la version PS2, il y avait quelques manquements avec quelques voitures un peu différentes et en moins. Peut-être à cause du contenu, je sais pas trop dire la raison. Et apparemment, il y avait un défaut que la boîte manuelle qui n'était pas disponible. Bon, moi j'avoue, ça ne me change pas grand chose parce que je joue pas en mode manuel. Mais bon, peut-être que c'est gênant pour certains, surtout pour le réalisme en fait. Bon, on est dernier, il y a encore pas, y a peu de checkpoints à faire pour le moment, mais. Ouais, j'ai pas eu tellement de temps avec, avec mon accident. Je pense que je vais pas pouvoir les rattraper. En tout cas, pour l'instant, en termes de skill, on est à zéro. Et j'ai encore prendre le même truc que tout à l'heure. C'est incroyable, hein, je fais exactement les mêmes bêtises. Du coup, je dois recommencer à nouveau. On perd pas mal de temps en tapant les poteaux. Ouais, regardez, ah, je fais n'importe quoi. Et du coup, je vais finir pour un bon dernier. Hein. Concrètement, voilà, zéro gain. J'avais dire no skill no bill quoi. Bon, on va faire le try parce que du coup on a rien gagné. Et on va retenter. J'espère que je vais pas être bloqué dès la première course, ça serait un petit peu honteux quand même. Bon, je suis en normal hein, mais bon, on va quand même retenter. J'ai fait quand même deux grosses erreurs de débutant. C'est normal, je suis débutant. Et voyez les points qui s'accumulent à côté 1400, bon. Parce que c'est quelqu'un avec que 4 voitures, il n'y a que la dernière place qui marque pas de, qui donne pas d'argent. Donc du coup, on se dit. Il y a juste pas faire n'importe quoi. Quand faut-il réussir à ne pas faire n'importe quoi. Bah, j'ai quoi d'en couper, mais c'est pas grave. Hein. De toute façon, c'est un peu le but du jeu. On a un slipstream qui donne des points. Bah, écoutez, pourquoi pas. Elle a l'air un peu plus rapide que nous, hein, si je me trompe pas, la voiture. Il a poussé un peu à l'accélération. Avec sa Mustang, il va aller beaucoup plus vite et je perds la vitesse. C'est pas grave, on va se mettre dans cette stream encore. Je pense qu'il va peut-être y avoir une gestion de la... Mais... Putain, mais c'est pas vrai, je n'arrive pas à le prendre, ce premier virage. J'ai pas réussi à prendre une seule fois depuis qu'on a débuté le jeu. Bon, selon comment j'ai terminé 3ème, histoire d'améliorer mon. Améliorer un petit peu. Ok, bon bah on finit 3ème, c'est pas spécialement. Spécialement bon. Alors Master Point, donc on a gagné 484 de plus, du coup on gagne des crédits. Bon bah on va faire retry à nouveau. On va recommencer, hein. Écoutez, je vais essayer de faire un peu mieux. Je sais pas si ça débloquera d'ailleurs un véhicule ou pas, mais bon, enfin, un véhicule ou un autre spot ou une autre course. Alors j'ai pas fait de meilleur départ. Je vais voir si le fait de choisir un régime différent, ça impacterait, mais j'ai pas l'impression. Turn right.
tout cas, la Mustang semble être la voiture à battre sur ce tracé. Ouais, effectivement, quand on fait un slipstream. En plus, je peux. Ouais, voilà, je peux du coup me planter et faire restart parce que je me suis encore loupé. C'est impressionnant à quel point je suis nul, bon sang, c'est pas possible. Allez, on va recommencer pour l'énième fois. En plus, je crois que la course s'appelle tutoriel. Vous pouvez dire à quel point on part de loin. Allez, c'est parti. Ah, j'ai fait un meilleur départ là, tiens. On va faire du slipstream, comme ça on va gagner un peu de vitesse. Voilà, je vais freiner. Effectivement, ça permet d'avoir un peu d'aspiration et du coup de prendre de la vitesse. Mais la voiture en face aussi doit en avoir, je pense. Oula, attention. Allez, concentration. Ok. Je te dirai rien, merci. Tu fais jeter par la Mustang, tout va bien. Alors moi aussi je peux le faire ça. Tiens, vas-y, hop, ça c'est fait. Bon. On va essayer de pas trop lui donner le... Ouh, c'était juste, j'ai failli sortir assez large. Bon ben voilà, on va enfin pouvoir gagner cette course. Avec un peu de persévérance, ça marche toujours un peu. Ben voilà, donc du coup on a gagné. On va avoir un peu plus d'argent du coup, on va faire exit, donc c'est le rond hein, pour passer à la suite. Alors voyez, on a une voiture rouge. On va essayer de la suivre. Je sens que le GPS est quelque chose qui nous suit. Je pense qu'on va peut-être pouvoir faire des duels avec d'autres voitures. Alors je sais pas comment ça fonctionne, on va le découvrir ensemble. Ouais mais je m'en fous. Ah c'est les flics. Ok d'accord, donc on a la police. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant, il y a la police en jeu. Bon bah du coup on va revenir. On va donc suivre le chemin pour prendre le prochain événement. You have reached your destination. Watcher Quilt, ok, donc on va faire rentrer. Et regardez, il y en a les flics qui arrivent en face. Donc peut-être qu'on va avoir les flics dans cette course. Donc il y a des véhicules hors section, vous pouvez voir à droite, c'est-à-dire que potentiellement on peut pas faire n'importe quelle course avec n'importe quoi. Et la restriction E, c'est peut-être parce que c'est les voitures de niveau E, donc les voitures les plus lentes du jeu. On va le dire vite. Ah, par contre, on est 6 maintenant. Ça devient intéressant. Et apparemment, il y a deux tours à faire. Oh là là là, attention! Regardez-moi ça, ce dérapage! On les a tous pris à l'intérieur quasiment. Oh bah, moi, s'il faut couper, je coupe. Hein. Aucun problème. On n'est pas dans notre allié. Ils sont assez piégeux d'ailleurs, ces trottoirs. Des fois, ils sont même un petit peu exagérés, je trouve. Ouais, c'est génial, youpi, je suis bloqué. Voilà. Et évidemment, je me suis bloqué au pire endroit, on ne relèvera pas. On recommence.
Bah là, c'est certain, au niveau du site stream, on s'en fait un peu pas mal. Oh là là, attention! Alors, heureusement qu'il y a le. Ça m'a permis de réduire ma vitesse, le fait de prendre le poteau. Elle a l'air assez rapide quand même, là. Je pense que c'est une Mustang, là je dis Mustang, mais c'est... ça a l'air d'être une Mustang. Oh là là! Regardez-moi le choc! Bon, maintenant, on essaie de pas faire des bêtises. Voilà, tranquillement. Alors apparemment il y a un gros virage après. Je suis allé tranquillement comme un papy. Regardez derrière comme ça fume. Bon c'est clair que graphiquement c'est pas une claque, hein. Je pense que vous en rendez compte. Mais je pense que c'est suffisant en tout cas pour prendre du plaisir dans ce genre de jeu. C'est plutôt, plutôt correct. Le maniement est correct, plutôt tout bien fait, plutôt, enfin pour l'époque en tout cas c'est pas mal, ça se commence à se pilote bien. Après voilà, au niveau des graphismes, c'est assez... les textures sont pas très fines, voilà, c'est ce que je regrette un petit peu. Alors du coup on n'a pas l'effet de fourmillement, c'est au moins la bonne chose. Ça évite d'avoir un jeu ultra aliasé comme c'est souvent le cas sur PlayStation 2. Les sons sont bien aussi, en plus quand on change de vue, et ben on a le son qui est bien localisé, ça c'est bien, localisation 3D du son. Le petit délire au niveau des vitres et tout ça, je trouve ça plutôt sympa. Peut-être même qu'on pourra faire ça avec les phares, hein, si on a une voiture avec des phares à l'ancienne. On est passé devant le... devant Saturne d'ailleurs. Allez, on va passer à la suite. Et ben voilà. Un peu de concentration et tout se passe bien. Et du coup, on a gagné 44 000 crédits. Je vais faire exit, on va passer à la suite. Donc là, on l'a gagné. On peut voir que sur le GPS en bas, il y a une petite coupe en jaune qui montre que ben, on a déjà fait, on a déjà passé par là. Donc ça, c'est déjà... c'est intéressant parce que ça nous permet de se dire, bon, là, on a déjà fait, on n'a pas oublié de se le refaire, etc. Alors si c'est intéressant, j'ai vu qu'il y avait la police, mais pour le moment on n'est pas tombé sur une voiture avec la police. You have reached your destination. Allez, on va faire le underpass et on va faire entrer. On va le faire en normal pour le moment. Je commence à m'habituer à la voiture, du coup ça devient un peu plus aisé. Et là on est que 4. Il y a un départ plutôt limité en termes de vitesse. Oh là là, regardez-moi ça, il a tout tapé et... qu'est-ce qui s'est passé? J'ai loupé le... ah si, c'est bon. Ok, il me l'a validé, j'ai pas compris. Je suis passé à côté, il a quand même pris. Donc il doit avoir une certaine tolérance. Alors ce que je remarque dans ce jeu quand même, c'est que les chocs entre les voitures, ça a un impact assez énorme sur notre façon de conduire. Si on touche un tout petit peu, bah on est vraiment emmené rapidement de l'autre côté de la piste. Ça, il faut vraiment, vraiment faire gaffe. Et ben voilà, là par exemple, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai fait un 360, j'ai pas compris. J'ai peut-être dû toucher l'arrière, ça va peut-être faire rebondir. Bon, c'est pas grave, on va voir si on peut les rattraper. En tout cas, la course est un petit peu plus technique maintenant. Ça devient intéressant. Alors ce qu'on essaiera peut-être de voir après, c'est comment modifier notre véhicule. Ça pourrait être sympa. Parce
après tout, c'est aussi un petit peu le... ce que le jeu nous propose. Oh, bon sang, ces poteaux à chaque fois. Je me sens devant ma vie défiler à chaque fois que je suis près d'un poteau, quoi. Bon, ça va, on a réussi à recoller, c'est-à-dire qu'on est un peu plus rapide. Bon, ça sera peut-être un peu trop tard, mais... Ah, ils ont tendance à ralentir, je sais pas pourquoi. On se retrouve deuxième, ça c'est bien. Bon, tu vas falloir faire attention à cette interaction-là. Je me suis bien loupé tout à l'heure. Ça va. C'est un petit peu plus large, mais ça devrait passer. Faut attention à pas trop donner la... le bâton pour se faire battre, c'est-à-dire en gros trop d'aspiration. Et j'ai remarqué surtout que de pas trop déraper, ça a quand même un bon intérêt. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Et finalement, on a gagné. Alors, je sais pas s'il va y avoir des événements après au fur et à mesure, parce que là pour l'instant on enchaîne les courses une par une. J'imagine qu'au bout d'un moment il y aura quand même des choses qui vont se passer. Non, toujours pas. Bon, bah écoutez, alors ce que je vous propose, on va regarder le GPS. Voilà, avec la petite vue extérieure. On va peut-être dézoomer d'ailleurs. Voilà, on va mettre en R1. Donc, ça c'est quoi? Ça c'est le Alaway Golf. Ok, donc c'est un endroit. C'est notre maison en fait. Là on a. McCully, ok, Estate Agent, là on a American Parts. Bah écoutez, on va aller ici, on va le mettre en target, on va aller le voir. Et d'ailleurs, on voit qu'au niveau du décor, on est resté dans une zone un petit peu en dehors de la ville. Ça pourrait être intéressant de voir un peu la ville au loin, voir si la ville est vachement bien faite. Regardez, on va se rapprocher un petit peu. Justement, des bâtiments. J'imagine que ça va être la ville de Honolulu, hein, la capitale de Hawaï. Hawaï. Alors, non, c'est encore après. Et donc là, on arrive, on est un peu en ville. Le fait d'avoir aussi un volcan, bah, je pense que ça doit être sympa aussi. On va faire triangle et on va rentrer voir le Today's American Parts. Alors c'est un jeu édité par Atari, vous l'avez vu depuis le début. Finalement je rencontre pas forcément les mêmes bugs que j'ai pu rencontrer sur les autres jeux d'Atari, en parlant notamment de Driver. Là, pour le moment ça se passe plutôt bien. Alors, ici vous pouvez améliorer votre véhicule actuel pour gagner... Ouais bon bref, vous aurez compris. Ok, bon on va voir ce qu'on peut améliorer. Donc manufacturer, c'est évidemment Saturn. Alors, donc on a le Saturn Sky Roadster Power Pack qui permet, vous voyez, à droite d'augmenter un petit peu l'accélération et la vitesse. Donc du coup, je vais pouvoir aller à 231 km/h, 225. On va gagner 2 dixièmes à l'accélération. C'est plutôt bien, ça. Mais je peux carrément prendre le pack 3. Le Saturn Sky Roadster Power Pack à 20 000. Je pourrais me l'offrir, hein, d'ailleurs. À la limite, on va se faire plaisir. On va prendre directement le pack. Ou alors, je prends le pack classique. 6 secondes 5... 20 000, bon, je dois avoir l'argent pour faire autre chose. Là, on reste en... on pouvait voir qu'au niveau de la lettre, on est toujours dans la même catégorie, donc ça, c'est bon. Donc, on va faire un upgrade. D'ailleurs, j'ai pas fait attention. Est-ce que si on change de pack, au niveau de la 3D derrière, ça change? J'ai pas l'impression. Bon, du coup, on va faire confirmer. On va faire OK. Mais je pense que... Alors je suis un petit peu déçu déjà, parce que j'ai l'impression qu'on peut pas améliorer grand chose hormis le moteur. Je sais pas si on peut faire des changements esthétiques sur les voitures. C'est donc ce que nous allons vérifier ici. Est-ce que je peux faire de la customisation? Alors là c'est... On l'a vu tout à l'heure. Ça c'est pour louer des voitures. Là, c'est dans le garage, notre garage. Là, on est allé ici, c'est un garage US Muscle. Là, c'est pour acheter des véhicules. Car for sale. Est-ce qu'on a par exemple quelque chose pour acheter des pièces? Des pièces à part. Regardez, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a ici?
Paint Shop. Donc à mon avis, on peut pouvoir, on doit pouvoir peindre la voiture. Ok. Si je descends là, j'ai ça. Si j'ai ça, je regarde si j'ai d'autres types de, magasins. Non, j'ai pas l'impression. Hein. À part peindre la voiture, on peut pas faire grand chose de plus. Bon, c'est déjà pas mal. Hein. On a quand même pas mal de possibilités. Non, mais écoutez, on a la ville. Là, je vous montre un petit tour de Hawaï au passage. Pour ceux qui ne seraient jamais allés. J'y suis jamais allé, hein, au passage. Voilà. C'est quand même super vaste. Hein. Franchement, ils se sont fait plaisir. Regardez, il y a des gros blocs de montagne. En plus, j'imagine qu'on peut aller un peu partout. Faire un petit peu du free road. Bon, bah écoutez, on va faire exit. On va juste. Non, on va juste. On va faire exit. Je peux bouger le curseur d'ailleurs, j'ai pas fait gaffe. On va revenir à notre ville. C'est monstrueusement grand quand même. Hein. Alors, on va aller donc du coup, bah, on va rejoindre la prochaine course. On va revenir par là. Je sais pas si c'est un grand intérêt. Si on a une course qui est ici. Du coup, on va aller. Ah et non, on peut voir les joueurs, on peut voir les locations. Ah oui, voilà. Ce qui est pas mal avec le mode online, apparemment, c'est que si vous jouez en ligne avec la PlayStation 2, qui je rappelle était possible avec le avec un câble Ethernet, en tout cas sur la version Slim qui était déjà inclus, ou en rajoutant à l'arrière de la PlayStation Fat, la PlayStation 2 Fat, le module, vous pouvez jouer sur Internet. Et je pense qu'on pouvait jouer en même temps sur la même carte, et ça devait quand même être pas mal à l'époque de pouvoir faire ça. Donc là, c'est un contre-la-montre. Qui apparemment serait verrouillé. Alors là, je me suis mis en mode challenge. Du coup, oui, on peut voir ce qui est disponible à faire. Bah, je vous propose, on va faire un petit challenge. Puisque, apparemment, on peut le faire. Regardez ici, là, dans un truc sympa. Et c'est verrouillé. Je peux toujours pas le faire. D'accord. Donc là, c'est verrouillé. Je peux pas le faire. Là, c'est verrouillé aussi. Non, du coup, lesquels je peux faire? C'est ceux qui sont marqués en bleu. Alors attendez, c'est un petit peu étonnant. Qu'est-ce que je peux faire comme challenge qui n'est pas verrouillé? Lui, il a l'air verrouillé. Ils sont tous verrouillés. Alors là, je vous avoue, je sais pas trop quoi faire. Bon, je vais mettre le marqueur ici. Mettre le target là. Et on va faire exit. Bon, on va essayer. Là, on va revenir, on a des petits temps de chargement et on va y aller du coup, c'est parti. Ah oui, alors c'est vrai que je peux changer la vue comme ça avec le joystick de droit. Est-ce qu'il va savoir recalculer la position? Non, j'ai pas l'impression. C'est les GPS de 2007. Allez, c'est parti. Oh, attention, il y a les flics. On va faire attention. Alors, les flics, je sais pas s'ils peuvent nous arrêter. Hein. Franchement, j'en ai aucune idée. L'occasion de tester, mais bon, on va sûrement rencontrer un policier, une voiture de flic. Alors, il n'y a pas de gens sur la route, enfin, je veux dire, il n'y a pas de. Il n'y a pas de citoyens qui marchent dans la rue, on est vraiment tout seul avec des voitures. Et je vais dire, ça aurait été trop compliqué à gérer, je pense, pour la console. Bon, apparemment, je suis recherché par la police. Je sais pas si c'est parce que j'ai tapé quelqu'un ou pas. Ah, alors attendez, c'est intéressant parce que là du coup. Your destination is 1 kilometer away. Et vous voyez, je suis encore en vert, tout va bien. Comment ça se passe pour esquiver la police? Est-ce que je peux passer par là? Ah oui, non d'accord, il m'a carrément vu. Ok, donc là c'est monsieur McCully. Qui va essayer de m'avoir, on va passer par là. On va essayer d'esquiver la police. Et on va rentrer directement. Alors c'est bizarre parce que j'avais le petit icône comme quoi c'était verrouillé, mais apparemment je peux le faire. Alors, c'est un Time Trium contre la montre. Votre but est de battre le record du tour pour cet événement. Bon bah on va essayer. Apparemment j'ai pas de niveau de difficulté. Et on va faire démarrer. Donc il faut faire le tour en 2030 pour avoir l'or, 2035 pour avoir l'argent et 2045 pour avoir le bronze.
On va voir si c'est faisable. Alors c'est bien, c'est que les flics ont disparu du coup. Et c'est parti. Alors ce qui est bien évidemment, c'est qu'il y a du trafic pour nous gêner. Quand je dis c'est bien, c'est pas dans le sens ça c'est cool pour nous, parce que non. Mais c'est plutôt parce que bah voilà, c'est un peu réaliste. Regardez, ils sont en paquet à chaque fois. Est-ce qu'ils vont changer de ligne sans mettre leur clignotant? Bon, ça c'est autre chose. Par contre, j'ai trouvé ça assez drôle, la façon dont la voiture s'est faite éjecter. Regardez. Oh là 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 là, la physique. C'est plutôt bien fait. Le rebond entre les voitures, c'est plutôt bien fait. Non, ça va, ils croisent pas. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Ça nous évite de prendre des cartons bêtement. Pour l'instant, c'est tout droit. Il n'y a pas d'embranchement à prendre. Du coup, c'est pas mal. Alors ça paraît d'être un tour, hein. J'ai l'impression que c'est vraiment d'un point A à un point B. Ah, du coup ça nous permet de découvrir un petit peu l'île. Vous voyez l'IA, c'est facile à... c'est facile à virer. C'est moins impactant que si on avait... si on avait fait ça par exemple dans un GTA ou un Driver. Bon, pour le moment, le site tracé a pas l'air bien compliqué, mais vous allez voir que la moindre difficulté, je vais me planter. Bon, ça me connaître. Alors là, j'ai deux choix. Bon, je vais celui-là. Oh, mais c'est super tout ça! Eh ben voilà! Oh là là, mais c'est pas possible! Voilà, ben je vous l'avais dit, hein. Je vous l'avais dit. Vous êtes témoin. Et du coup, on a tout à recommencer. Et en plus, c'était pile à la fin. C'est incroyable. On a loupé à la fin du décompte. Quelle idée de nous dire... vous pouvez aller à droite ou à gauche si finalement il fallait aller tout droit, quoi. Bon, c'est pas grave. Écoutez, ça fait 53 minutes. On va recommencer. On va le refaire une fois. Alors c'est un jeu qui a eu, enfin en tout cas si je me réfère aux notations, 14 sur 20, donc c'est un jeu qui a été plutôt bien accueilli, on va dire, en tout cas sur la, je parle sur PlayStation 2 bien sûr. Bon après, est-ce que c'est le jeu du siècle? Non. Est-ce que c'est un jeu sympa? Oui. Pas sympa. Je pense que c'est plutôt sympa, plutôt cool. Par contre, voilà, c'est, je sais pas comment l'expliquer. Il y a quand même un côté vide qui est assez présent. Je pense que c'est moins le cas sur les autres consoles. Mais en tout cas, sur la Play 2, ça fait quand même un peu vide. On sent qu'ils ont fait des efforts hein, pour intégrer ça sur la galette, etc. Mais je sais pas. La restriction technique fait que on est moins s'imprégner en fait de l'univers de Hawaï, qui manque des effets graphiques. Apparemment, il fait pas très beau, c'est un peu bizarre. Alors, il y avait un effet de fin de journée qui était plutôt sympa, mais hormis ça, j'ai pas vu grand chose. De toute façon, j'ai pas vu la pluie par exemple. Je sais pas s'il y a la pluie dans le jeu. Alors ceux qui sont déjà à Hawaï pourront me dire si on est bon au niveau des tracés aussi. Est-ce que ça correspond bien à... bien aux artères, aux autoroutes qu'il y a vraiment sur l'île. Et franchement, je me demande si l'île elle a pas... Je vais faire avoir deux fois. Oh non, c'est bon. Si l'île elle a pas été vraiment fait au format 1, hein, parce que vu les distances qu'il y a,
Bon, pour moi, ça serait, c'est vraiment compliqué de l'avoir fait. Mais alors, s'ils l'ont fait, chapeau. Parce que c'est une île qui est pas non plus ultra grande. Mais quand je vois la carte, je me dis c'est tellement, tellement, tellement grand que. Je pense qu'on doit au moins être à un ratio de 1 pour 2. Je pense que le ratio 1 pour 2, on doit y être. On va réussir. Voilà, parfait. On va finir sur une bonne note. Et du coup, j'ai gagné 23 000 crédits. C'est super. Your itinerary is being recalculated. Donc là, du coup, on va voir où on est sur la carte. On compare un petit peu. Parce que là, on est allé assez loin. Écoutez, on est allé assez loin et regardez quand même. Voilà, regardez où on est. On a quand même pas fait un chemin extraordinaire. Hein. En 2 minutes, on a fait ça. Quand je vois la taille de l'île, je me dis. Ouais, on est au moins à du 1 pour 2. Je pense que je suis pas trop hors des clous. Là, j'ai pas l'impression d'être trop hors des clous à ce niveau-là. Écoutez, on va finir là-dessus. On va faire remettre la target ici. On va faire exit. Voilà, on va revenir. Your itinerary is being recalculated. Et du coup, on va changer d'artère. Turn right. Ils sont pas contents, les gens. Your destination is 3 kilometers away. Allez, est-ce qu'on sente la police? At the next intersection, turn right. Turn right. Alors ça, c'est du GPS de fou. C'est du GPS de fou. Le GPS, il vous fait aller en sens inverse, quoi. Tout va bien. Ok, bah écoutez, si un jour on vous propose un GPS test drive, vous dites non. Parce que là, pour mourir, je vois pas d'autres alternatives en fait à ce qu'il veut me proposer. Ça me rappelle d'ailleurs le GPS Google. Bon, j'ai parlé en vrai. Pour la ville de Toulon, le GPS de Google, alors je sais pas s'ils l'ont changé depuis pendant pas mal de temps, il vous faisait. Il faut savoir qu'il y a une grande ligne droite dans Toulon, quand vous rentrez dans Toulon, côté Marseille. Et vous devez, à un moment, vous pouvez rejoindre et, vous, et le GPS, si vous suivez le GPS Google, il vous dit bah là, vous pouvez tourner à gauche pour vous insérer pour aller vers la gare. Mais en fait, vous vous rendez compte que tous les accès à droite, en fait, sont interdits. Vous pouvez pas aller à droite pour rejoindre la gare. Et du coup, en fait, Google, la première fois que je l'ai utilisé, bah, en fait, il m'a fait faire un truc totalement interdit. Alors, heureusement, il n'y a pas de policier. Mais voilà, il vous dit carrément un truc que vous n'avez pas le droit de faire. C'est super rassurant, tout ça. Allez, on va faire une petite dernière course et on s'arrêtera là-dessus. Bah ouais, bon, il faut finir premier, jusque là c'est une course classique. Je sais pas s'il y a d'autres modes de jeu, à part les contrôles à montre par exemple, ou les courses classiques. Bon après il n'y a pas non plus 4000 modes de jeu disponibles, enfin, imaginables. Et par exemple peut-être un mode de jeu, alors qu'on est tous avec la même voiture, ça c'est bien. Et là on est vraiment, je pense, à l'équité. C'est vrai, ma voiture, elle est quittée. J'adore l'humour. Alors du coup, ça va se jouer entre Saturne. Du coup, j'ai coupé comme un gland et j'ai pas pris le checkpoint, c'est super. Bon, c'est pas grave. Il y a deux tours, 13 points de passage par tour. Je pense qu'on devrait pouvoir recoller assez rapidement. Et en plus, il se traîne plus que de raison. Ouais, donc on peut couper, mais il faut quand même faire gaffe, pas trop couper non plus. C'est pas moi. Sympa, j'aime déjà. J'aime déjà ce tracé parce qu'il est en montée-descente, enfin on sent qu'on a sorti un petit peu de l'univers un peu plat où on était tout à l'heure. On se rapproche un petit peu des montées-descentes. Alors oui, je pousse les concurrents, oui, tout à fait. Mais c'est pas grave. Alors, on est troisième. Alors je sais pas, je serais quand même concurrent, il peut y avoir, peut-être plus de 6 ou... Ok. C'était
Oui, ça va, c'était plutôt réaliste, mine de rien. Donc, du coup, je suis surpris, mais pas déçu. Bon, là, on a fini le premier tour. Donc, on va faire attention maintenant. Hein. On va essayer de. Voilà, alors le slipstream ça va être compliqué parce qu'on est vraiment loin de la voiture devant. Du coup, on va pas gagner trop de. Voilà, celle-là où j'aurais pu couper, mais j'ai un petit peu abusé tout à l'heure. Et du coup, on est second. Et j'ai bien l'impression qu'il y a des dégâts visuels, hein. Vous vous rendez compte sur la voiture, bah, il se passe pas grand-chose. Ça peut être ma petite déception. Qui est pas par exemple de bah, vous casser la voiture au bout d'un moment, vous devez la réparer, ça aurait pu être sympa par exemple d'avoir ça. Ah, c'est pas trop le cas. Mais bon, on va pas tout avoir, je suis assez conscient. Alors, on voit passer la vitesse aussi hein, à l'intérieur. C'est quand même pas mal, on a beau être en vue extérieure. Ça change pas grand chose. J'étais en TC off hein, au passage. Et on va rapporter la course. Ah, regardez, on a débloqué la Great Class 2. Donc ça c'est pas mal. Alors je sais pas ce que c'est, hein, mais bon, je pense que c'est peut-être une nouvelle maison. À voir. Et on peut directement aller au prochain event. On a pas son triangle, plutôt que s'embêter. Si je fais Exit, en fait, c'est quoi? C'est Great Class 1. Ah, c'est en fait un mini championnat. Alors attendez, on va regarder ça. Ah ok, donc on peut choisir la prochaine la prochaine course. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, on est dans l'heure, c'est assez classique. Pas besoin de faire non plus 4 heures pour un jeu. Mais en tout cas, bah, vous aurez compris, je trouve ce jeu plutôt, plutôt sympa, plutôt cool. Pas trop de gros défauts, en tout cas j'en ai pas vu. Pas de choses extraordinaires à la fois, donc c'est oui pour moi, 14 c'est plutôt bien mérité. Alors on n'est pas allé très loin, bien sûr, il y a sûrement des choses qu'on doit débloquer, des choses nouvelles, des choses qui vont améliorer le contenu, enfin en tout cas je l'espère. Voilà, bah écoutez, c'était Test Drive Unlimited sur PlayStation 2. Peut-être qu'un jour on fera une version PC ou une version peut-être plus aboutie pour pouvoir comparer, faire la différence, voire carrément Test Drive Unlimited 2, puisqu'ensuite il y a, je crois, plus rien eu. Dans la série, apparemment, ça déçoit pas mal de gens parce que c'est un jeu qui leur plaisait. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Ciao tout le monde !